le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Antoine Labarre, Vincent Trinque. Ainsi que le Collège La Flèche, Marie Doucet, Étienne Gélina, s'il vous plaît. On marche lentement. On force avec les jambes. Donc, véhicule déposé, on se prépare pour 2 minutes de préparation. C'est encore un duel de la dernière chance. Le perdant sera éliminé. Alors que le gagnant devra immédiatement se rediriger vers l'arrière-scène pour sa prochaine participation, pour son prochain duel. C'est le retour du dain français. Eh oui! Ben, on a de la plomberie du côté droit aussi. PVC de 2 pouces. Non, ABS, pardon. ABS. Noir, c'est ABS. C'est ça. Noir, c'est ABS. Noir, c'est ABS. Je n'aurais pas su. Presque 2 millimètres. De ce côté-ci, on a fait des trous dans ces tuyaux de l'autre côté. Oui, c'est bon. On misait pour 21 cm exactement. Pourquoi tirer plus si on a besoin de seulement 21 cm? Ouais. On vérifie les crochets. L'arbitre vérifie, demande un ajustement de précision à l'équipe. La flèche, tout le monde est prêt. Placement du câble. Les crochets sont bien placés. Je pense qu'il a vu la corde qui est celle qui est en dessous. On demande quelques secondes du côté du Collège La Flèche pour placer sa corde de façon... Il fallait juste pas que ton véhicule vienne avec ton outil. Et voilà. Voilà, parce que le geste de mise en marche ne doit pas fournir d'énergie cinétique au bolide. D'énergie quelconque. Le ruban vert étant placé bien au centre... Véhicule attaché à jamais. Déclenchement, on est prêt. Donc, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand même serré. Mais le résultat semble... Ça va être par 1 cm. Claire, mais par 1 cm. C'est de plus en plus serré. Un net centimètre. Victoire, côté gauche. Et voilà, la flèche, c'était votre dernier tour de piste. On vous rappelle que les bolides, une fois terminée la compétition, vous n'avez pas le droit de les démolir. On veut les exposer, on veut pouvoir les observer, s'inspirer pour les années suivantes.